Bienvenue donc à l'exposition Bordeaux-Italie, échange et vision artistique du XVIIe au XXe siècle. Bienvenue au cours du montage, puisque actuellement donc, nous finissons le montage de l'exposition. Une exposition qui se déroulera donc à la Galerie des Beaux-Arts du 7 mai au 7 septembre 2015, qui compte environ 110 œuvres de toute nature, de tout domaine, c'est-à-dire peinture, photographie, sculpture, dessin, donc du XVIIe au XXe siècle. Cette exposition a pour but de, à travers les collections du musée et plus précisément à travers des œuvres qui ne sont pas montrées, la plupart du temps elles sont conservées dans des réserves, de présenter donc l'Italie, l'Italie donc des artistes, l'Italie des intellectuels, depuis donc l'époque moderne jusqu'à l'époque contemporaine, à travers donc plusieurs thèmes comme par exemple l'histoire au XIXe siècle, l'histoire de l'Italie, l'histoire des peintres de la Renaissance, également le paysage, étape incontournable si on peut dire dans une exposition, un paysage classique à l'époque donc moderne et surtout après nous avons essayé de retracer le grand tour traditionnel donc des élites européennes au XVIIIe au XIXe siècle en partant donc de Venise à travers Redon pour arriver à Naples avec Marquet et en passant par Rome par exemple avec un artiste peu connu qui s'appelle Gulina dont nous ferons l'heureuse surprise aux visiteurs. Delsba donc nous a prêté 9 prix de Rome bordelais entre 1769 et 1947. Ces 9 tableaux donc de format identique permettent de retracer à la fois l'évolution de la peinture depuis l'époque néoclassique jusqu'à l'époque contemporaine. Également donc ces tableaux témoignent de l'émergence et surtout après du développement des écoles bordelaises au 19e et au 20e siècle. Et surtout l'intérêt de ces prêts, c'est que ce sont des prêts tout à fait exceptionnels, qui voyagent peu. Et par voie de conséquence, donc, vous allez voir les processus de montage, c'est-à-dire le déballage, le constat d'état avec le convoyeur de l'ESBA, qui est chargé donc, avec moi de vérifier l'état des œuvres avant leur accrochage et leur mise en place définitive pour l'exposition.